Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commandeur. On est ce soir en live pour une belle partie de Commandeur qui va, comme on l'a dit sur le tweet, clôturer la saison 1 avec ce soir Doku, Kodiak et Higgs. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a chaud? Oui. Oui. Ça, oui. Oui, oui. C'est validé. Oui. Enfin, en tout cas, ça fait super plaisir qu'on se retrouve ce soir pour cette dernière du Commander Club de la saison. Petite saison qui a fait 2-3 d'émissions. Et merci Alfie pour ton 11e mois d'abonnement, dont le 3e, dont 3 mois consécutifs. Merci encore, c'est super cool. Merci beaucoup. Et on a hâte aussi de découvrir un peu les premiers visuels de Dominaria bientôt, oui, ce soir. Normalement. Avec, sans aucun doute, des gros trésors à se mettre sous la dent. Comme les tweets l'ont laissé sous-entendre que apparemment il y aura des... Voilà, on va peut-être enfin avoir des bilans pour pas cher. Dans une hypothétique possibilité probable. Ou peut-être une mana barbe, tu sais. Ou peut-être une forêt de base. Ouais, c'est pire. Non, mais il y aura la fameuse montagne Arabian Night là. La fameuse montagne Arabian Night. Bah, elle est pas mal. Ou la plaine. La plaine, tu vois de laquelle je parle. Et les Arabian Night, même une plaine, ça peut aller, hein, je crois. Un petit bazar of Baghdad, tant qu'à faire. Pas mal. Nickel. Non, il y a des spéculations sur comment c'est arrivé. Il y en a qui disaient peut-être que ça peut-être même des boosters dedans pour avoir ce soir. Ouais, je pense que honnêtement, on est carrément à la spéculation pour l'instant. Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas trop le feu sur le sujet. On en un peu plus après notre live. C'est vers 22h, mais restez. On verra. C'est 23h. Forest Summer. Ouais. Bah après, moi, si j'ouvre une Forest Summer, ok, je la mets dans un classeur, je suis très content. Et là, elle brille pas et elle sera pas en français, donc je serai quand même un petit peu déçu. Et le problème, le pire, c'est qu'il faudra que tu commences la collection des Summers. Ah, quelle horreur. Bien sûr. Tu en auras une. Peut-être avec Lille Summer, tu peux avoir les 4 autres. J'ai toujours pas les premiers Land Foil officiels. C'est lesquels? C'est les Mercadia? Non, Mercadia, c'est les deuxièmes parce qu'il y a eu le... Les Arena? Il y a eu les... Ouais, c'est ça. Il y a eu Arena juste avant. Oh, le prix d'un bundle, le terrain. Et ceux-là sont un peu chers. J'en ai deux, je crois. Ils m'en manquent un peu. Bref. On n'est pas là pour ça. Évidemment, ce soir, on va parler de Commander. Qui veut présenter son général? Qui veut commencer? Bon, allez, hein. Allez, toi, c'est parti. Bah, je me suis dit que ces derniers temps, je me prenais pas assez le hard focus. Alors, j'ai pris un deck que tout le monde adore. Phénax, un petit deck meule. Tout le monde va me détester, tout le monde va me casser en deux. Voilà, merci. Non, tu sais, moi, je vais t'apprécier parce que je joue Brèche du Monde Souterrain. Oula. Alors, et avec ce Brèche du Monde Souterrain, tu joues quoi? Higgs. Ah, moi, ce que je joue? Moi, je joue un duo. En vrai, j'ai déjà joué le deck, mais à l'époque, c'était Niv-Mizzet. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu Malcolm et Casse-Fiole. C'est bon. C'est donc un deck autour de Malcolm, en vrai. Casse-Fiole, elle est là pour les couleurs. Non, c'est pas vrai. Casse-Fiole, elle est là plus pour le late game, mais le vrai plan de jeu, il est autour de Malcolm. Bien. Donc, c'est un jeu où je vais gagner avec des pirates. On s'y attend pas, mais je vais gagner avec des pirates. Ok, bon, tu tiens le pari. Effectivement, moi je suis venu évidemment avec que des créatures qui ont la portée pour te contrer. Non, évidemment que non. Je ressors Zurzot qui avait pris un peu de vacances et qui là, la fournaise de cette semaine l'a un peu ramené, il faut le dire. Donc, du coup, je rejoue en hommage au soleil qui me juge sans doute. Voilà, je rejoue Zurzot, donc le petit deck qui joue plein de démons, qui fait piocher mes adversaires, mais bizarrement ils aiment pas ça, je comprends pas trop. Et bon, on verra bien ce qui sort. Si possible, s'il fasse sortir toutes les combos de mes adversaires, ce sera très bien. On verra pour la suite. Et Doku. Tout un programme, et bien moi, donc je reviens avec Omnat, Locus de Rage, pour la 18e fois. Toujours le même paquet, hein, j'ai jamais le temps de le mettre à jour. Mon général du cœur que je joue depuis sa sortie. On va jouer des landes, on va mélanger la bibliothèque, on va jouer des landes, on va mélanger la bibliothèque, et puis on va continuer comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, on gagne.
Peut-être. Sur un malentendu. Voilà, ça dépend si mes adversaires sont gentils ou pas. Ah oui, parce qu'en oui, plus, tu comptes sur nous, quoi. Ah, bah, là, ouais, c'est... faut me laisser bouilleter, quoi. Moi, je suis sympa, enfin, je sais piocher. Le jeu a ce petit défaut de manquer un tout petit peu, probablement, de protection et d'être très centré sur son général. Donc, en fait, si on me laisse pas un peu bouilleter, ça fait pas grand-chose. Bon, on va voir. Je vais te laisser piocher, moi. Je peux pas faire mieux. Puis Kodiak, il t'enlève tes terrains pour que tu puisses avoir des vraies cartes. Waouh. C'est ça. Et, bah, ça t'aura des cartes actives. Il joue dans son coin, il joue bleu. Et rouge. Oui, c'est un peu ça. Moi, je fais mon truc. Je fais mon petit puzzle à côté. Tu fais tes pâtés de sable. Mmh. C'est un peu ça, oui. On va partir. Mes petits pâtés de sable. Et un moment, je fais « Oui, regardez mon pâté de sable !» Il est beau, il est tout beau. Mon pâté de sable, il tombe sur vos cartes, j'ai gagné. On va partir en live, mais avant ça, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Comme ça, vous pouvez être au courant quand est-ce qu'on part en live, on a des nouvelles vidéos qui arrivent, ou tout simplement nous suivre sur la chaîne si on est sur des événements, ou voilà, sur des tournois, des interactions, comme par exemple l'événement de Commando à l'Assemblée qui se déroule à Auxerre. Je serai présent avec Alfie. Pour représenter les chroniques, en tout cas, où vous pourrez venir nous affronter soit sur des drafts de commandeurs, soit sur des parties de commandeurs, tout simplement, ou venir poser vos questions, serrer la main, boire un verre, etc. Tout ce que vous voulez. Pas nous taper. Alfie, vous avez le droit, parce qu'il n'est pas là, les absents ont toujours tort, comme d'habitude. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin, si vous avez un moment, n'hésitez pas à venir taper les discutes ou venir taper le carton, ça sera avec plaisir. Ou faire du cube, parce que Alfie, évidemment, m'a dit qu'il amenait son cube, donc voilà, on peut aussi faire du cube. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez venir sur YouTube, tout simplement. Si ce soir vous ne pouvez pas rester et que vous avez envie de voir ce qui va se passer, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous abonner, vous cliquez sur la cloche pour être averti de la vidéo qui sortira lundi soir 17h30, comme toutes les semaines. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir sur le Discord, discuter, poser des questions à membres de l'équipe si vous avez des questions sur des decks que vous avez vus ce soir, des questions de règles aussi, parce qu'on a des juges. Ou tout simplement venir nous proposer, nous parler de vos decks que vous aimez bien. Ça nous fait plaisir de voir ça. Et puis voilà, ça diffère, ça peut nous donner des idées aussi. Je crois que c'est bon, on a tout dit ? Yep. Ouais. Et puis voilà. On peut aussi avoir les tapis. Et comme vous allez bientôt le voir, je mets évidemment également le tapis, parce que c'était pas ça que je voulais les mettre. Mais c'était ça. Et je sais plus ce que je voulais mettre d'autre comme commande. Si, les decklists. C'est pas mal. Vous avez les decklists ici et également dans la description, vous pouvez cliquer exclamation decklist et puis c'est bon. Je crois que c'est bon, on y va. C'est parti. Oh. C'est qui commence ? Eh ben, je pense que c'est Finax. Hein. Ah, je commence ? Finax. Bah, ouais, ça dépend de Finax time. Eh ben, marée, fin de tour, merci. T'as pioché au début de tour ? C'est surfait, oui. La pioche. Pas besoin de ça. Alors, moi je vais jouer une tour de commandement. Et je vais payer un rouge pour jouer un gamble. Ah, ça gamble dès le début de partie. Ouais. Voilà. Là. Ben, tant que j'ai plein de cartes en main, il faut le faire. J'avoue. Toi, tu veux direct te défausser dessus, m'attends même pas, quoi. Non, ouais, je vais te laisser. Je vais commencer un peu avant toi. Et là, c'est la pièce de combo qui part. Oh ben, ça me ferait vraiment triste. Et il faut jouer vert. J'en serais très triste. Il faut jouer vert pour des rigros. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais t'inquiète, je joue noir pour des. Pour de la réanimation. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, attention, suspense. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que quelqu'un a un dé, j'ai accès à des dés, mais je crois pas que j'ai 7 sur le bazar. J'ai un D8. D8. Je peux faire un D8. Eh ben, allez, un D8, hein. Les gens vont voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ils voient pas. C'est un roll 4. 4. 1, 2, 3, 4. C'est une blague. Ah, ce que t'as été chercher. Exactement. Et ben, sur ce, fin de tour. Alfie voulait la sixième, désolé Alfie. Dro, la sixième, j'aurais préféré, c'était un long. Ça va être une montagne, et puis fin de tour, hein. Moi je suis gentil. Eh bien, je prends mon tour, cache.
Forêt, protecteur sylvestre, go. Ok, pioche. On va faire une Misty Rainforest qui va tout de suite partir. Je perds mon petit PV. Ça sera... C'est un peu ça, Domino, ouais. Honneur ou rien. Non, il y a plein d'autres façons de me faire revenir. Mais c'est un peu pénible, ouais, de commencer comme ça. Et pour deux, on va mettre un peu de la protection, on va mettre un morgue sort. Et ça sera une fin de tour. Ça pioche. Ben je vais jouer. First Blood d'Alf. J'ai joué une crypte de sang engagée et je veux dire fin de tour. On commence le drogo. Je fais land et je me préserve pour la suite. Tu peux y aller. Début de tour. Pioche. Land. Je vais rentrer en phase d'attaque. Higgs, je vais vers toi. À combien? Avec un protecteur sylvestre. Je prends. Et vas-y, Kodiak. Yes. On détape, on pioche. On va faire une île. Et pour deux, je vais faire un Arcane Signet. Et ça sera une fin de tour. Attention, ça rampe. Ouais, ça s'accélère trop vite là. Ah, c'est dangereux. Je vais jouer un marais. Et pour 3, je vais jouer un pirate. Équipage du canon à foudre. Je peux l'engager pour qu'il inflige une blessure à chaque adversaire. Et à chaque fois que je lance un sort de pirate, je le dégage. Mmh. Okay. Un tour. Trop. Encore un terrain, décidément. Je vais tenter de jouer mon général. Mmh. Je t'en prie, joue ton général. Ouais. Tour. Le T3 de... Début de tour, donc. Le coup sera oui. Omnal. Pioche. Si seulement. une forêt. En hiver, ce coup-ci. Tour 3, ultra classique. Culture. Mmh. Culture. Culture. Je vais donc aller chercher une montagne en hiver. Et puis une autre montagne pour ma main. Et puis bah, y a des bloqueurs partout maintenant. Donc ma super 1-1 elle va plus faire grand chose. Donc fin de tour. Ok, petite étape. Pioche. Oh. Alors on va redonner ça. Donc j'ai les bleus, les noirs et les multicolores avec une catacombe noyée. Et on va dire plein de tours. Ouais. Non, j'aime pas ça. Attention. Cette table de Drogo là, ça va être compliqué. Ouais. Ok. Je vais payer 3 et je vais jouer Cassiole. Mmh. Alors je suis pas très d'accord, mais j'ai pas grand chose à en dire, donc tant pis. Ouais. Bah Cassiole est là. Ah bah les contres en vert et en rouge. Ouais, c'est ça un peu compte bon. Pas les rues. Hein. Ok, autre chose à faire? Tu veux attaquer ton pirate? Non. Bah c'est une 0-5 donc non. Attaquer, mais... Fin de tour du coup. Puis il faut que je te bloque aussi. Je peux bloquer. Je vais lander. Est-ce que je fais des trucs rigolos? Je te sens pas obligé surtout. Non mais c'est... Moi tu sais c'est mignonnaire. Oui bien sûr. Pour 4, mais je vais poser un Grimoire de Guette. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, je pioche une carte. Ça va, vous inquiétez pas, je vais me défausser à la fin du tour.
Je vais rentrer en phase de combat. Qui veut piocher? Moi. Ouais. Qui veut piocher sauf Higgs? Ouais, écoute, pourquoi j'aime pas cette volonté. Moi, je prends la pioche, hein, ça me va. Ça te va? Bon, après, je peux attaquer Kodiak qui biocrame. Je me sens discriminé. Ouais, c'est parce que tu joues gobelin. Tu sais. Ah, bon. C'est vrai que j'ai deux gobelins là sur le champ de bataille. Bah, tu sais maintenant pourquoi. Et ben, du coup, si tu veux, on peut piocher. Bah, écoute, c'est réponse... sur le trigger d'attaque. Attends. En réponse au trigger. Ok. Je joue en flash un voleur de notions. Oh, voilà. Quel salaud. Ouais. Et bonsoir, bonsoir Félidane, bienvenue. T'arrives à l'heure pour changer. Donc du coup, Doku ne pioche pas et je pioche à sa place. Et je défausse quand même au hasard, aussi, c'est bien ça. Et tu défausses quand même au hasard et tu piocheras pas sur la défausse de Doku et c'est moi qui pioche à la place. Bah tu pioches aussi pour moi, hein. Tu pioches deux cartes. Ok. Bah, il est pénible le Kodiak. Et non, je vais piocher une à la défausse. Je pioche trois cartes parce que Doku va se défausser une carte. Et moi, je vais me défausser une carte. C'est fort. Merci, Strepsil, pour ton 9e mois de Prime. Merci. Gentil à toi. Donc, un opposant à draw, donc c'est toi, Kodiak. Donc, je vais poser un Devil. T'as combien de... Je me défausse au hasard. Quelqu'un veut me faire défausser une carte au hasard. T'as combien de cartes à faire défausser? C'est 6, ouais, c'est 6. Ça 4. Marche, celle-là. Ouais. Pareil, X. Ceci est une intervention héroïque que je suis très content de voir partir au cimetière. Alors, Félinen, dire qu'on est en avance, surtout toujours en avance, c'était quand même très audacieux de ta part. Et ben, j'ai tout donné. Je prends deux. Ouais. Bah, du coup, voilà. Bon, on pioche pas. Désolé. Trop bien. Fin de tour, tu peux y aller. J'adore me défausser de mes interventions héroïques gratos. Pioche pour le tour. Ouais. Fetch. Fetch dans Clairière de Scorie. Ah, très bien. Et en profiter pour faire une croissance luxuriante tant que j'ai ma bibliothèque en main. Si ça va à tout le monde. Vas-y. Mm-hmm. Ouais. Bon, ça me va. Une forêt. Meilleure illustration de la croissance luxuriante d'ailleurs. Gloire aux antilopes et gloire à Mirage. Ah, ça y est. Le pro-Mirage qui revient. Ah bah écoute, les terrains Mirage, quel dommage qu'ils n'existent pas en foil. Ça tu peux les faire altérer. Bah ouais mais non. Non mais je vais attendre qu'ils les rééditent dans un random... dans un random master je sais pas quoi. Dans Modern Horizon il y avait des rééditions de terrains qui n'existaient pas en foil, c'était cool. Ouais mais t'avais pas la nouvelle frame. T'avais la nouvelle frame du coup t'avais pas Ouais t'avais la nouvelle frame mais bon. On fait comme on peut pas tout avoir. Non, bon, on va lancer la machine immédiatement. Je vais tenter un vide du terreau. Mm-hmm. Ça va récupérer mon fetch. Ok. Et fin de tour. Très bien. Toujours pas attaqué avec ma 1-1, là, donc tant pis. Oh. Oh, ça me plaît. Donc on va poser un marais pour 3. On va faire un spécimen pris dans la glace. Non pas une lithophore usée, pardon. Et pour 2. Un spécimen pris dans la glace. Et ce sera une fin de tour. À la fin de ton tour, je vais activer l'équipage, vous allez tous prendre un. Aïe. Aïe. Peigné. Et pioche. Ok. Tac, tac, tac. 3 Malcolm. Mm-hmm. C'est mon premier sort, du coup il y a Casse-Fiole qui trigger.
Ouais. Rajan c'est 1-2, Doku 3-4 et Kodiak 5. C'est une cible, c'est vraiment les joueurs. Quoi. Combien? C'est 2. Donc Rajan combien, c'est 3 3. C'est pas des dégâts de commandeur, hein. On est d'accord? Non. Ok. Ah, d'ailleurs, j'ai pas compté les deux dégâts et du rayon. Et puis ce sera tout. Hop là. Alors, En fait, Alfie, Kodiak et X ont changé de corps. Et du coup, c'est X qui fait la death ce soir. Ouais. Pour l'instant, non, ça va. Chiant cette histoire quand même. T'as combien de cartes en main, Kodiak? 5. T'as combien de Force of Will? Beaucoup trop. Si t'en as trop, tu m'en donnes. C'est chiant. Je vais tenter un pince-crâne. Ok, ça me plaît. Oui, je comprends. Oui, et je vais tenter de l'équiper sur Zurzot. Ça me plaît. Ok. Pour un rouge, je vais tenter un acte blasphématoire. Ah. Tu sais qu'il va voir, il va le voir. Non, c'est bon, non, t'as raison, c'est bon. Badoku, est-ce que t'as quelque chose à dire? Zut. Non mais arrête, pas vu ce qu'il me... Là, il contrecarre mon plan. Non, non, mais ça me va, ça me va. Je vous embête, tu sais bien. Oh, moi c'est bon, j'ai pas de réponse. Moi j'en devais en avoir une du coup. Tu nous mets un, c'est ça? Je vais activer l'équipage de canon à foudre. Ça va vous mettre un à tout le monde. C'est un pirate qui vous inflige des blessures. Du coup, je vais perdre un trésor pour chaque adversaire touché. Donc 3 trésors. Bien sûr. Et en vrai, ça me va. Hop. Le diable meurt, il va te mettre 1 X. Il me met 1. Lui, ça meurt, ça meurt. Je vais piocher 2 cartes, du coup. Je vais poser une caverne. Je sais pas à quel point c'est utile ça. On va laisser de toute façon. Fin de tour, tu peux y aller Doku. Ok, début de tour. Cache. Eh bien, ce sera une forêt. Et pour 7, on va tenter un général. Ok. Ouais. Ok. Go. Nice. Alors, on détape. Moi, j'ai collé 13 à une 3-1 vol. Débrouillez-vous pour le reste. Je pioche. Je fais rarement ça, d'habitude je préfère attendre de pouvoir le trigger immédiatement, mais tout le monde était un peu full tap, je me suis dit que c'était le meilleur timing. J'ai merdé, bon, c'est pas grave. Pour 5... Nous on est content de l'apprendre. Phénax. Ouais. Il y a Papy Phénax, voilà, il est là. Et ça sera une fin de tour. On va payer 4 pour jouer un archimage mérite. À chaque fois que je lance ou je copie un sort d'éphémère rituel, je pioche une carte. Et du coup, je vais payer 1 et jouer une vision et du sérum. Trigger d'archimage, je pioche. Après, je pioche sérum vision et je scry 2. Fais gaffe, on les voit là. Que de value.
Tu peux piocher plus de 7 cartes, s'il te plaît? Oh, j'en suis à plus de 7 cartes. Non, mais attends, parce que du coup, là, il va mettre une. 3, 4, 5, 6, et tu vas pleurer. 7, 8, je me doute bien. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi, tu vois, je vais payer mon dernier trésor. Ouais, tu vas casser, tu vas jeter la carte. C'est le ring. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai plus que 7 cartes en main. C'est une tristesse pour moi. Fin de tour. Toc toc toc, land. Coup de peau, land. Est-ce que je retente désespérément ce Urzot? Attention, ça va être la meule. Bah écoutez, je vais tenter Urzot. Urzot, nous sommes morts. Je vais tenter de l'équiper. Oui. Très bien. Vas-y. Voilà. Et qui a, vu que personne ne veut me faire piocher, bah je vais piocher tout seul. Voilà. Ouais, faudrait qu'il meure pour ça. Ouais, mais bon, j'ai l'impression que ça va marcher. Tu peux y aller, de coup. Je vais d'étape et à mon entretien, je vais réfléchir longuement. J'ai commencé la réflexion avant le chat, ne vous inquiétez pas, mais elle est compliquée, cette réflexion. Non, il n'y a pas le feu. Pioche. Ah, oui, d'accord. Chez moi, c'est bon. Mm-hmm. Le chat nous dira. J'ai un ventilateur derrière. Ouais, pareil, j'ai le ventilateur, je l'ai affaibli un peu. Je vais lander un fetch, j'ai un trigger omnat. Ouais. Oh, t'as les tokens! Ah bah, ceux-là, je les ai, ouais. Tellement beau. Craquer le fetch. Bon, un deuxième. Je vais aller chercher. On va aller chercher mon Ravland qui est là. Qui va arriver tap. On va s'économiser les points de vie. Trigger en net. Trigger en net. Pour deux, je vais tenter un hommage à la forêt. Oula, ça fait quoi ça? Alors, je vais vous demander de sacrifier un artefact ou un enchantement. Ok. C'était pénible, hein. Ouais. Ah, j'ai attendu de maximiser la value. Après, te serait resté un trésor, t'aurais perdu un trésor, je l'aurais fait quand même. Pareil, on a un choix, Cornélien s'offre à toi. Lequel va. Bah, c'est Get son personne, hein. Personne ne te discarde. C'est quoi? C'est le truc Grimoire, puisque personne ne discarde. Bah, ça peut être le Grimoire. Comme ça, je vais pouvoir le faire tranquillement. Je suis pas sûr que c'est le Grimoire qui t'embêtait de te discarder. Non, pas exactement, non. Ben, un petit peu quand même. Un petit peu. C'est un peu pénible pour ma win. Ouais, je comprends. Après, je suis mono rouge, hein. Je pense pas que ça va être embêtant pour toi. Non, je vais tenter de garder le grimoire. Ok. Parce qu'en même temps, si je me fais gérer mon Urzot, bah en fait. Je vais rentrer en phase d'attaque. Higgs, tu as un Elemental 5-5 qui vient vers toi. La 5. Sbum. Je serai ravi d'apprendre que ce sont des dégâts généraux et ce sera une fin de tour. Fin de tour, je vais faire un petit vampirique tutor. Oui. On va faire une damnation là.
Alors... J'ai bien mal aux fesses si c'est une damnation après ce sac artefact. Est-ce que tu veux que je vole tout de suite ou je me retiens un petit peu? Non mais... Mais on est en 8, tu fais ce qui te semble le mieux pour gagner. Fais ce que tu veux, mais... j'irai au bar. C'est pas dire que mon choix était déjà prévu, mais est-ce que tu veux que je fasse un rire de machiavélique tout de suite ou que j'attende un petit peu plus tard? Attends un petit peu plus tard, on attend la révélation. Allez. Étape. Du coup, la carte que je suis allé chercher... C'est une carte mystérieuse. Alors, nanana, Dan, chef du raid, donc je la mets au-dessus, je perds 2 points de vie, évidemment. Et je la pioche. À mon tour. Bien. Alors, je vais déjà jouer une grève inondée que je vais craquer. Bonsoir, Demest. Comment vas-tu? Hop. Je vais aller chercher une île. C'est ça qu'il a été chercher. Une île, ouais, je pense. Il a tutorisé une île. Vraiment, ouais. Il est balade, il cherche sa grève inondée, surtout. Ensuite, pour 4. Damnation. Allez. Ça me va. Je vais avoir, moi, ça je me va. Avoir une réponse. Ouais. Et hop, le Definitive Swat. Meilleure carte du monde. Bah non, ça marche pas. Non, parce que mon affreuse intervention héroïque a été défaussée gratuitement il y a 3 tours de ça. Je sais vraiment pas qui a fait ça, mais ça devrait vraiment être un salaud. J'avoue. Il faut vraiment pas avoir d'âme. Je vais tenter un Crozen Grip sur ton caillou, Kodiak. Je vais mettre 2 manas dans ma poule. En fait, tu peux pas. Il y a le split second. Ah putain, il y a le split second. Mais même les capacités de mana, c'est des capacités de mana. Ah ouais. Tu peux pas mettre de trucs. Ouais, mais ça passe pas par la pile, donc c'est vrai. Ouais, et tu peux pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana, donc tu peux le faire. Go. Donc j'ai 2 mana en poule. Ouais, ça marche. Pas plus de réponses. Donc voilà. Moi, ça me va. Vos créatures. Ouais, Kodiak, tu prends 9. Ouais, pas de soucis. J'avais prévu le coup. Pour ceux qui ne sauraient pas, un Omnath, deuxième du nom, quand j'ai un Elemental qui meurt, il colle une foudre. Avec les changements de règles qui datent un petit peu de... Que les commandants passent par le cimetière, il se trigger lui-même maintenant. Ce qui est excellent. Et pour 5, je vais essayer de jouer un Hitter of the Dead. Ouais, je mets 9 points, ouais. Oh là là, la vieille carte. Bah dans Kodiak. Ah, c'est bien, c'est très bien. Ah oui, J'aurais tout le temps de te mettre les points plus tard, Higgs, ne t'inquiète pas. Et ça sera une fin de tour là-dessus. Okay, tu dégages le bouffeur pour retirer une créature d'un cimetière. Okay. Oh là là. Ouais. C'est rigolo. On a le texte d'oracle, ce truc. En gros, je choisis une carte de créature d'un cimetière, je l'exile et je détape le bouffeur charognier. T'as le droit de le faire uniquement s'il est engagé, par contre. Ouais, sinon il se passe rien. Voilà. Non mais je le précise pour le chat. Est-ce que vous avez combien de cartes en main, s'il pas vous plaît? Pas assez. 5. 2. 2. Tu sais que c'est assez. Pas pour mon deck. Tu sais qu'en vrai, je pense que ça va être assez pour moi. Hein. Ce mec, on voit toute ta main, tu sais. On sait que tu gagnes dans 2 tours. Aïe, aïe, aïe. T'es vraiment bien. Bah après, ça marche. Si tu gagnes ça marche très bien. On a le temps d'en refaire une autre, moi ça me va très bien. Ouais, ça m'arrange pas, mais... Ça m'arrange pas de gagner. C'est juste pour ça. Bah non, mais ça m'arrange pas de le faire maintenant, mais bon. Ouais, je vais faire autre chose, je pense. Je pense que je vais faire autre chose, ouais. Ah, c'est 3-4 en plus, ce truc. Ouais, ouais, ouais. Gale, ouais. Prodige des profondes. À chaque fois que je lance un sort d'éphémère rituel depuis ma main, je peux en lancer un de l'autre type depuis mon cimetière. Ouais. Hmm. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout. C'est une fin de tour. Oh ben ouais. Non, mais plus, mais... Non. Bon bah écoute, non mais je te demandais. Hein. Je regarde, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, bah encore moins. Encore moins, bon tant pis. Moi j'ai quoi dans le cimetière? Plein de choses intéressantes, mais on s'en fout. Il me manque plein de mana évidemment.
Donc si on oublie les problèmes de mana de Ragon et la chaleur, tout va bien des bestes. Bon. Pour 4, je vais tenter un cannibale de Folbraise. Mm-hmm. Il me donne le monarque. C'est un capitaine, non ? Ah, de la pioche. De quoi ? C'est un capitaine, pas un cannibale. C'est un cannibale de Folbraise. Ça marche. Merci de me suivre dans mon délire. Tu sais, irrécupérable, moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Hein. Je sais, mais c'est gentil quand même de me suivre quand même. Tu pourrais rien dire et ça me va. Ça me va quand même. Pour 2, je vais faire le diable vengeur. C'est un diable, voilà, faut pas chercher, hein, mais quelquefois il y a des diables dans le deck. C'est une 1-1 sérité qui peut infliger une blessure si j'ai le Morbide, c'est-à-dire que s'il y a une créature qui est morte ce tour-ci. Voilà. La morbidité en français. La morbidité, merci. Et bah du coup c'est une fin de tour, je vais avoir le trigger du monarque qui se met en place. Et je vais piocher et passer mon tour. Et je vais chercher mon tour. Eh bien, un début de tour. Je vais dredger à la place de ma pioche pour récupérer du terreau. Mmh. Ouais. Oh, de belles choses dans le cimetière. Et pour le chat qui n'aurait pas eu le temps de voir, petit chant de ses morts, un petit bourgeonnement. C'est mort. Le locust commence à devenir dangereux là. Ça commence à donner envie. Vie du terreau. Mm-hmm. Cible, champ de ses morts, montagne en hiver et lande venteuse. Ouais, donc okay. On n'a rien à voir quoi, montagne en hiver. Ça me fait rigoler tout seul. Voilà. Je te le dis. Ça passe. Oui. Ça me va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Champ des morts. Mmh. J'ai mes 6 terrains différents. 7 avec le champ des morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'où l'intérêt d'avoir des oui. Basiques neigeux et des basiques non neigeux. Donc je vais me faire un 2-2. Ouais, j'ai fait la même chose quand j'avais Rada avant. J'ai fait exprès d'avoir des neigeux pour ça. Est-ce que j'ai des 2-2 sous le coude? Oui, j'ai des 2-2 émo. Voilà. Magnifique. Les zombards. Les zombies d'Eldritch Moon qui ont une petite coloration violette. Là. Tout à fait du meilleur goût. Ah bah. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Est-ce que j'ai autre chose à faire? Pas vraiment. Vas-y. Ok. Alors, j'ai un bloqueur. Ouhou. Je n'ai pas de monarque. Et on va essayer de faire ce que le deck fait de mieux. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire combien vous avez de créatures dans vos cimetières ? 0. 3. Je crois que ça le fait chier. Une. Ok. Du coup, je vais engager le Eater of the Dead. Higgs, tu vas me lire les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque. Sanji Taxien, Heal, Narset, ah. Reanimate. Je vois le plan. Ensuite, je détape le Eater of the Dead, j'enlève le protecteur Sylvestre de ton cimetière, du coup. Yes. Je recommence chez Higgs pour me lire les 4 cartes du dessus. Frantic Search. Radiantal Blast, Montagne, Île. Après, il faut que je tombe sur celui qui a le plus de créatures, ce qui n'est pas gagné, mais bon. Je t'enlève une de tes créas, X, et je recommence. Ouais, d'accord, là, ouais. C'est comme eux, en fait. Tant qu'il y a des bêtes, tant qu'il y a des créatures. Pas de créatures. Je t'en Tiens, enlève voilà. Encore une et je recommence. Voilà mon monarque. Toujours pas. Toujours pas, putain. Bon, je t'enlève la dernière et je recommence. 4, c'est pas moi qui fais tout le kiff possible. Putain, c'est le score. Moi, je pensais que t'avais un peu des cartes quand même. Mais Kodiak, j'ai 11 créatures. Ah, purée. Ouais, mais le problème, c'est que... j'ai 11 créatures, il y en a déjà 4 qui sont passées. J'en ai pas beaucoup plus, en vrai. Ouais, c'est ça, hein. Bon,
Et bah du coup, c'est pas grave, parce que du coup, on va y aller plus violent. Aberration dévorante, bonjour. Ah. Ah. C'est beau ça. Donc combien avez-vous de cartes dans vos cimetières? C'est tous les cimetières aberration? Oui, ouais. Les cimetières de tous les adversaires. 7. 23 chez moi. De carte 3. Et ben c'est une 33-33. Bonjour. Superbe. Elle était là. Oui, ça, Ryan qui dit rien qu'il y a 21 créatures dans son pack. Bien sûr. Qui ça, moi? Bah oui. Ouais, mais de toute façon, c'était sûr que Ragen, ça sera le prochain à goûter à Wither of the Dead. Mais... Et ça sera une fin de tour là-dessus. Ouais. Bon, les joueurs de noir, là, vous avez pas un petit Bojukabog à traîner T'es gentil, toi. T'es mignon. Ouais, je sais. Ouais, non. Ah là là. Bon, bah, ça a picoté. Hein. J'ai juste un truc. Peut-être qu'on peut faire ça. On peut peut-être faire ça. Bolt? Non. Ça suffit pas. Je propose la solution, moi. Non. Personne se défausse? Non. Non, pas encore. Il est chiant, lui. Il pose des questions. Ah, bah, c'est sûr que Ryan, c'est pas la patience incarnée. Hein. On s'emmerde dans cette aventure. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 2. J'ai oublié de faire ça, ça me saoule. On va jouer. Abolir en ciblant. Qu'est-ce qu'il y a à cibler d'après toi, Ragen? Spell créature. Franchement, sort ou créature ciblée? Bah, la grosse, non? Ça donne un tour de mou. Ouais, allez, le Hitter of machin là. Trigger de Gale, je vais jouer. Ah, le Hitter, du coup. D'accord. Oui, le Hitter. Ouais, le Hitter. Le Hitter est un peu chiant. C'est clair. Je vais jouer mon Demonic Tutor depuis mon cimetière. Avec le Poké. Faut couper. C'est quoi, c'est la première fois? C'est le premier cast, non? Chaque fois que je lance un sort d'éphémère rituel depuis mon cimetière. Tellement bien, celui-là. Donc, Demonic Tutor, c'est celui qui va se résoudre en premier. Et là. J'ai pas de réponse. Hein. Je sais pas trop quoi aller chercher. C'est un problème, c'est qu'on sait pas trop quoi aller chercher là-dessus. C'est pas trop mal avec pour jouer. Non, c'est pas de mon avis qu'on va le jouer. Donc, le problème c'est que j'ai perdu une des wincon, donc ça va être long. Pour moi. Je pense à ça, mais je suis pas sûr. C'est ça de gamble, hein. Bah, non, c'est pas... Franchement, c'est pas gamble le problème, là, c'est le Hitter of the Dead. Le Hitter, il t'a bouffé quoi, 20 cartes en plus? Il a mangé son boucanier. Donc en fait, je vais devoir passer sur le backup et c'est un peu plus long, quoi. Oh. Ben, je crois que ça va être ça, mais... parce que je vois rien de très intéressant. Ça va être ça, hein. Je vais chercher une carte mystérieuse et puis... Attention. Ouais, le terrain, quoi. On connaît le Biland. Oh, bah, de toute façon, j'ai déjà joué un land, donc... le démonique tutor, il est exilé. L'abolir, il est là. Et puis, j'ai cette carte. Du coup. Il bouge pas de sa... de valeur. Et puis, bah, fin de tour. Hein.
De toute façon, là, je pense que je suis out. Des fausses passes, c'est bon? Non, rien? Non, okay, non. Bien. Le très bien de la défaite. Oh. Ah, mais moi, je pense que je suis out, mais... On fait des choses avec ça. De toute façon, on fait des choses, mais on fait du rien en même temps. C'est dommage. Après, pour l'instant, il n'y a pas de setup en continu côté Kodiak. Il va mettre 35-36. En fait, c'est que le problème, c'est que sur la table, il y a plusieurs morceaux de trucs qui font que quasiment tout ce que j'ai est pas, on m'empêche de gagner. Pour 5, je vais tenter un mana geyser. Ouh, joli. Alors, je crois que c'est 13 mana si je compte bien vos terrains engagés. 5, X en donne 5. Ouais, oui, ça fait 13 ouais, en effet. 13 bon bravo, mana. Tu sais compter. Ouais! Tu auras une gommette. C'est gentil. Ouais. Pas une image. Enfin, Alfie, ouais, tu donneras un bon point à Ragon quand tu verras. Je vais mettre même mes gros dés. Waouh. Waouh. Voilà, on sait pas à quoi ça sert, mais voilà, il y a des gros dés. Pour 5 et 7, bah, je vais tenter mon rejeu, mon GG. Mm-hmm. Ce qui commence à coûter horriblement cher, celui-là aussi. Ça, c'est un ça, c'est une couronne. Voilà, j'avais rien de mieux. Ah oui, c'est vrai que t'as toujours ton monarque. Ouais, vous vous attaquez pas. Bah non. Mais c'est sympa. C'est pas ma faute, j'ai plus de board, moi. Pour 5, je vais faire une monstruosité volcanique. C'est pas du tout ça. C'est Bresgueule. Donc elle arrive. Quand on fait des dégâts, on se prend un de plus, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un de plus à le permanent ou ce joueur à la place. Je vais perdre le mana. Qui... Ah, alors... c'est seulement tes sources rouges. Dommage. Ouais, c'est mes sources. Ah, ouais. Voilà. Moi, c'est un j'ai fait un de plus avec mes élémentaux. Hein. T'as pu faire un plus. Alors, t'as, un... oh, t'as une 2-2 là. Tu veux tuer ouais, mon. Ouais, j'ai une 2-2. Tu veux tuer mon diable. C'est, quoi le... c'est quoi le catch? Tu vas en refaire un qui va faire une 2-2. Qui va devenir... Enfin, en fait, en attaquant, elle va coller un de plus, de toute manière. Ah oui, donc ça tue mon 2-2. Ouais, bah après, tu peux t'es pas obligé de le bloquer. Je vais attaquer avec une 1-1, bah du coup, sur deux coups, parce que bah, le reste, en fait, ça va rien faire. Donc, il y a un trigger du Zurzot, parce que c'est un diable. Ah, j'ai une pioche, trop ouais, bien. T'as une pioche discard. Ah, là, je réfléchis. Le trigger passe ou... Je réfléchis, je t'ai dit. Gru. Je sais pas à quel moment tu réfléchis. Tout le temps, partout. Ouais, non, ça passe. Ok. Trigger pioche, trigger défausse au hasard. J'ai 5 cartes, quelqu'un veut bien tirer une main innocente, tirer un dé. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1. Toi qui vois. J'ai 4 cartes. Non, mais 1, de toute façon. Parce que l'autre main innocente. 1, 2, 3, 4. 2. Le fetch qui part au cimetière. Ah la folie qui sert pas à grand chose. Parce que il inflige une blessure répartie comme je désire. Bah, je peux faire une folie à 1 plus 1, ça va faire 2. C'est prof. La vie est pas folle. La vie est pas folle, mais en même temps. Toi, tu bloques le Devil, c'est ça? Je réfléchis. Ok, je reprends déjà ma main. En fait, tu t'es tu sais que tu castes la vaccine avant, hein, donc tu ouais, peux ouais, choisir. Je casse la vaccine avant. Ouais, bah oui, du coup. Ouais, je vais bolt le. Je paye 2 plus la capacité de la monstruosité et je bolt ton. Enfin, je choque ton zombie. Avant les bugs. C'est bien la peine de me proposer des. Des deals de blocs et de trucs. Hein. Oh là là. Attends, en vrai, c'est. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Non, mais si tu bloques, est-ce que tu bloquerais le diable ou pas? Enfin, si tu bloques le diable, ça. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais Gaël, il fait peur aussi. Gaël, il fait peur. Ah non, mais t'as décidé de tuer un zombie de 2 émo, voilà, maintenant. Hein. Moi, je boude. Voilà, on a tué mon zombie. Et je peux te le laisser si tu veux. Non mais c'est trop tard, j'ai compris.
Bon bah, déjà je vais piocher sur ta capacité de défense. Voilà. Ouais, 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 vas-y, pioche. Fais ta vie. Ouais, je prends 2. Arrête, c'est le bio, je sais que tu le penses pas. je regarde quand même les mains que j'ai eues. J'ai pas landé ce tour-ci, je crois. J'avoue, j'ai un doute. Ah bah, hey, j'ai mon journal du jeu, mais ça marche pas. Puisque j'ai pas ciblé le terrain. Je sais pas si j'ai. Non, parce que j'ai pioché machin, donc je l'aurais su, je pense. Ah non, j'ai pioché tout à l'heure sur le machin. Bah, du coup, j'ai pas d'autre effet. Je vais dire fin de tour, je vais piocher sur le capitaine de Folbrise. Avec le monarque. Oui, bien sûr. Le monarque qui peut piocher. Début de tour. Ouais, tu peux. Pioche. Yes. Ça compte. Ouais, ça compte, mais bon, 9, on va tenter papa. Mm-hmm. Pourquoi ? Il est là, papa ? Oui, il est là. Il est là, papa, pour moi. Cool. Land. Double trigger. Chant de ses morts et Omnat. Yes. Ça passe ? Mm-hmm. Ouais, vas-y. Go. Yes, malheureusement, je peux pas faire grand chose de plus. C'est là où on voit assez bien les limites du pack. Quand je commence à devoir recaster mon commandant 2-3 fois. Ah, c'est bon, hein. 4, Locked Wayne. Et pour 5, on va refaire le Eater of the Dead. Oui. Et ça sera une fin de tour. Bon, t'as pas du FX de sur ça. Bon. Pioche. Ouais. Bon, on est là. Pour te répondre, Alfie, le bon point, tu le mets comme tu veux, comme ça t'arrange. Sois sûr d'avoir par contre. Je m'en lave les mains. Ah, j'ai pas ça. Peut-être. C'est ça qu'il faut faire. Je chie. Ah bah oui. Enfin, on va forcer à faire une interaction, quoi. Pour 3. Vous avez combien de cartes en main? 5. 4. Ah ouais, 5. Tu ne fais pas assez défausser. Que défausse pas assez. Jiskaswill target Ragen. Mm-hmm. Trigger de Gaël. Je vais payer un rouge. Et je vais jouer un Red Elemental Blast sur le gros ton là. En réponse, parce que là tu. En prise sur Gaël. Ouais, ok. Voilà. Et tu perds 2 points de vie. Et je l'engage, tu me les. 33 cartes du dessus de ta bibliothèque. C'est des marqueurs plus en plus, l'abomination. Non, c'est sa force. C'est sa force et son endurance. Il en a 33. Là, il en a un peu plus. 23. Bah, je pense qu'il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Ouais, on a rajouté les cartes là. Bah, oui. Ensuite, 20. Il y en a deux de plus chez moi. 30. Mais j'en ai enlevé une parce qu'il y a les deux sur la pile. Ouais. Il y a mes deux cartes sur la pile. Ouais. Mais du coup, 17, il y en a 28. Une de plus parce que Ragen en avait deux de plus. Et c'est bien. 32, 33 et combien 34 du coup 34. Ouais. Je suis à 8 dans le cimetière. Plus de Dragon, plus de... Voilà. J'ai pas recompté mes cartes. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. J'ai 5 mana rouge. Hop là. 5 mana rouge. Oh, je suis con, c'est pas grave. Et j'ai là perdu 2 points de vie. Et je vais ajouter un bleu. Est-ce que j'ajoute un bleu? C'est une bonne question. Un bleu, ouais, on va mettre Malcolm. Il me reste 2 manas. Tu les exiles pas face. Ah non, t'avais pas assez. Ok, excuse-moi. Je crois que t'avais un commandant. Non, fin de tour. Ouais.
Ouf. Je suis en défi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai posé un diable, pardon, j'ai oublié le... On a plus beaucoup de cartes là. T'as plus, t'as... il te reste combien de cartes? 21. Ok. Et elle est où là, ta Sas Oracle? Elle est passée au cimetière déjà? Non, donc elle est dans ta main. Bon, on va aller aussi pas le possible dans les mains. Je vais faire semblant de croire à cette info, Higgs. C'est comme une info de chat. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Là, pour l'instant, c'est mon seul out parce que j'ai vraiment. Pour 4. Ben oui, non, mais c'est bien pour ça que j'assume que tu l'as tuto. Je vais faire un cote du marteau. C'est, franchement, c'est pas le que j'ai tuto. Honnêtement. Je vais faire son moins 2 pour ajouter du rouge en fonction de chaque montagne que je contrôle. Mm-hmm. Attends, je vérifie qu'il se passe rien d'autre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais ajouter 7 mana rouge. Poum, poum. C'est marrant qu'on fait sur patte. Ah, c'est. Ouais, ça marche que pas souvent par contre. Pour 1 rouge, je vais faire un vent du changement. Ça me plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc si on mélange dans la bibliothèque ou c'est ouais, vous... je vérifie que si, qu'il n'y a pas eu un errata. On sait jamais, hein. Chaque joueur mélange les cartes de sa main à sa bibliothèque et puis pioche autant de cartes. Donc, alors, okay. Donc, vous allez piocher plein, donc je vais mettre 3. Oh là là. Bestiaux. Du coup, tu sais, je l'avais bien en main, mais c'était dans ma main de départ. Oh là là. Oh, quel dommage, madame Chambier. J'ai trois cartes, moi. Moi, j'en ai 5. Je suis à 4, mais ça me fait mal d'avoir à les renvoyer. Je vais les montrer pour le chat. J'avais très envie de faire Jojo avec Valakut. Puis le petit tuto à côté, là, ça fait mal. J'avoue. T'avais qu'à laisser un verre. Bah, ça sert à rien, je mélange. Je peux jouer le tuto en réponse et je pioche une carte du pif quand même. J'ai 3. J'espère que j'ai pioché. 1, 2, 3, 4. Je pioche une carte de moins. Ah, toi, de toute façon, t'as genre 25 cartes dans ta bibliothèque. Donc en fait. J'en ai 21. Ouais, mais... Ça va, t'as récupéré ta main. Là, t'en as 26, donc en fait, t'as un cinquième de chance de récupérer les mêmes cartes de ta main. Donc forcément. C'est drôle. Pour 6, je suis vraiment désolé de la qualité de mon proxy. Parce que c'est quand même la première fois que je la joue. Ah ouais, non mais là c'est dégueulasse. Non mais on avait dit pas ça là, franchement, le respect est mort. Heureusement que c'était la dernière de la saison, hein, parce que là vraiment le respect est mort. Hein. Ah, mais le chat se voit. C'est vraiment... En gros c'est une 5-5, c'est un démon, c'est un devil, c'est une 5-5 initiative pour 6 devils, et si... en fait il double les dégâts. Ah c'est le Fiendish duo. Ouais c'est ça, sauf qu'il coûte cher. Et du coup, pour l'instant, je me suis pas motivé à le prendre. Du coup, bah, ceux-là, ils ont pas de vérité par contre. 1, 2, 3, 4. Et bah, du coup, ça a complété les terrains, c'est super. Personne n'a défaussé. Qu'est-ce qu'il reste comme carte? Il y a une Malcolm 2-2, il y a un truc et il y a plein de machins en face. Ah, okay. Je vais déclarer une phase d'attaque. Mmh. Je suis bien sur la scène principale. Malcolm, il est combien? Il est 2-2. Ouais. Le hitter, il est à... Honnêtement, je vais pas bloquer. Ok. Ouais. C'est pas forcément ton intérêt. Alors, il y a un des diables qui va aller chez Doku. Attends, tu veux attaquer Kodiak? Oui. Ok. Ça peut s'arranger. Début du combat. Hybridisation rapide sur le hitter. Ouais. Hop, donc c'est une 3. Du coup, t'as une 3-3. Sans capa. Bon, je l'aurais peut-être eu de toute manière avec les... Avec les... Ouais, ouais. 3-4, c'est plus difficile à tuer qu'une 3-3.
Bon, après, il suffisait que mes diables meurent. Non, mais surtout, et surtout que celui-là, il te meule ton deck. Ouais, ouais, et bien, ouais, on voit ça. En fait, ça m'arrange. Du coup, je vais aller. Je vais attaquer avec les 3 déjà. Ça, tout le monde va piocher. On va tous piocher des fossés. Ouais. Je vais attaquer avec le Devil tout simple chez Higgs. Devil comme le Zurzot. Non, attends. Parce que Zurzot, il va mourir un peu comme une merde là. Et j'ai plus assez pour le récupérer moi. Du coup, non, je suis désolé. Zurzot sur toi, Higgs. Et le Devil chez. Kodiak, il a juste une carte. Ouais, ouais. Et le diable classique pour le jeton pour Doku. Ok. Donc vous avez tous pioché des fossés. Ouais. Bon, chacun notre tour. Ouais. En même temps, c'est de la défausse. Hop. Ok. Moi j'ai 3 cartes. J'en ai 5 moi. Ouais, mais j'en ai 2. Je suis à 5 aussi. Ben, regarde. Rajen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vas-y. Ça te va ? 6, la dernière. Terrain. Ok, Kodiak, t'en as combien ? 2 ? Ouais, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Père, impair ? Ouais. Père et impair ? Ouais. Bah, impair, la deuxième. Père et impair, donc c'est elle. Hop. Mort une clé. Hop. Deux coups, t'en as combien ? On va aller. 3. Et bah, celle du milieu. Et ben, je laisse quelqu'un d'autre le jeter. Cord of Calling qui s'en va. Hop. La 6, ouais, génial. C'est pas. La 6, ouais, génial. La 5, voilà. Oracle, voilà. Okay. Ok, allez. Allez, bonne soirée. Je vous laisse jouer. Hein. On a carrément oublié le sondage, Alphie. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vraiment, j'avais prévu tout le reste. Tous les textes étaient bons. On était synchro. Mais j'ai oublié le sondage. Ah là là. Bon. Ça serait pas un live des chroniques du Commander sans un fail. C'est vrai. Donc, j'ai jamais 3, non, sur la défausse. Ouais, bah, faites-moi savoir ce que vous défaussez. Est-ce que ça bloque X, t'as dit que tu bloquais pas. Tu prends 4, c'est ça? Non, moi je bloque pas. On 4 de général, du coup. Là, il y a 2, 3, 1 qui vous attaquent. Ok, bah j'ai pris 3. Okay, moi je bloque ton jeton avec ma 5-5. Tu bloques le jeton avec la 5-5. Ok. Et je vais tuer le frog. De toute façon, là je crois que c'est Doku qui va gagner. Je pense. Bah ouais, là je vois pas pourquoi tu butes le frog là. Mais parce que en fait j'ai 3 de défense sur le Zurzot donc je peux pas péter un élémental. Après je peux mettre. Non, mais je mets 3 sur Doku. Excuse-moi, t'as plus de PV. D'accord. Je mets 3 sur Doku. 29. Tac. T'aurais pu les mettre sur toi aussi. Hein. J'aurais pu les mettre sur moi aussi, j'avoue. J'avoue. Je suis vraiment le pire. En fait, je sais pas où vous visualisez que je gagne en fait. Hein, parce que moi, il y a encore je sais pas combien de tours de setup. T'as un champ des morts, moi je peux pas gérer ça. Ouais, j'ai fait une grosse. Oh, moi, de toute façon, là j'ai un objectif. Hein, de toute façon, avant de mourir, il faut que j'arrive à avoir X à la meule. les goals de tout le monde. Fin de tour, j'ai les ailes du monarque qui me font piocher. Ouais. Début de tour. Pioche. Tout qui est passé quoi. Il y a absolument toutes mes récursions qui sont passées là. C'est marrant ça. Alors attends, qu'est-ce qui se passe si, Elles sont combien tes bêtes, Ragon là? On voit rien avec ton proxy nul. Ça, c'est, 5, c'est une 5-5 et ça, c'est une 4-5 piétinement. 4-5, ok. Les autres, c'est des 1-1. C'est des 1-1, il y a une 4-2. La 4-2. 1-1 également engagé. C'est juste les autres machins là, quand ils meurent, ils font des points, c'est ça? Ceux-là, ouais, ils font des points. T'as 6 dégâts qui traînent. J'ai 9 dégâts qui traînent. Puisque les deux machins vont doubler. Enfin, après, ils vont doubler, donc ça se trouve, c'est peut-être plus. J'avoue que là, les maths, je joue plus assez le deck pour savoir si ça doublait. C'est quoi ton proxy déjà? C'est quoi le nom? Pendige Duo, merci. Donc j'aurais peut-être dû coller peut-être un peu plus sur la mort. Pendige Duo, 5-5 init. Avec de maths, compliqué. Double les dégâts, donc ça, il colle 4 les dégâts du coup. Il collait 4?
Ok. Ben, t'as pris un de plus Doku. Et moi aussi. Et Higgs, un de plus aussi, du coup. T'as pris 4, t'as pris 5. Oh, même 2 de plus. Tu m'as dit 4. Et tu m'as attaqué avec 0. Ouais, mais du coup, il double en fait. Donc, j'attaque avec une 2, 3. Non, non, mais je te parle juste des points quand t'es Devil meurt. Hein. J'ai pas compté le reste. Ouais, mais ça revient même sur la fight. Donc, En fait, c'est juste que la façon dont t'ordonnes, tu fais plus 1 et ensuite tu doubles. Ouais, ouais. Donc, ah oui, ça fait 6. Ouais, donc, 0 c'est 3, ouais, 3, 2. 6, 6. Pardon. J'étais sur l'inverse, sur 4, 2, 2 fois 2 plus. Doubler le 2 plus 1. Compliqué quand le deck il s'est. Donc là, t'as 12 avec tes Devil de mort. Hmm. C'est compliqué. Ouais, on va tenter ça. Alors, 3 creusets en bon jeu terrain. Creuset. creuset sur la pile. Ouais, bien sûr. Pour 3. Distorsion chaotique sur ton général. Et après on dit ah, c'est Doku qui gagne, ah, gna, gna. Je l'ai pioché sur le bonheur. Oh là là, tu me fatigues. Alors, je vais avoir une réponse. Le sel bio de l'Ouest. Oui. Je vais avoir une réponse. 3 Bistouizine sur le Fendish Duo. Ça marche, tu l'as eu. Parce que bon, il y a un moment. T'en avais vraiment okay. Marre de voir sur bout de papier. Hein. Ouais, non, c'est juste que ça fait des points. Bah écoute, je remets le général à sa place et puis je mélange ma bibliothèque. Ouais. Oui. Et bonsoir le chat, bonsoir. Je ne me ferai pas avoir en lisant ce pseudo, je suis désolé. Je vois le jeu de mots, d'habitude je les vois pas, mais là c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai pas. Ah tu l'as pas ? Ah là là. Trop compliqué. Allez. Un truc marrant. J'espère. Un land. En terrain. Ça t'aurait aidé si tu avais ciblé autre chose. J'ai un zombie. Ouais. C'est ça le pire. il a pas la blague. Aïe aïe aïe. Ok. Trop cultivé du coup. Bah, ah non, c'est juste que moi je lis le lead speak tous les jours à cause de Ryan. Donc en fait c'est un A à la fin de ton pseudo. Donc on est bien d'accord que si je le prononce à vôtre, ça fait chinois. Ah moi j'étais sur le A en, le 4 en anglais. Non, j'étais en train de dire 4, ouais, j'étais pas en train de chercher dans toutes les langues s'il y avait donc, quelque chose. Donc voilà, je vais utiliser ce pirate comme un zombie. Plus assez de zombies. Creuset, il arrive en jeu. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et merci Belgarion pour ton Prime, 19e mois d'abonnement. Merci à toi. C'est la soirée. C'est la soirée d'abonnement. Merci à tous. Quel enfer. J'ai le soutien en plus de mon évaluateur. Quel enfer. 5. Et si une créature perdait l'indestructible et on leur collait 5. Toi, tu le gagnes. Pas marrant. Okay.
Ouais, ok. Ah. Ça, j'aurais pu attaquer avant. Ah là là là. En plus, ça touche les arpenteurs, mais c'est pas possible. Ouais, non, ça mange tout. C'est bon, là. Et ben, tu vas prendre... Bah, 6, ouais. 6, ouais. Sauf si tu veux les mettre ailleurs, hein, mais... Tu prends 4 et X, il va prendre 2. Ça, c'est équilibre. Ouais. Land pour le tour. J'ai un zombard. Le retour. Alphie qui a des bits centraux. Attention, au moins 6. Merci Alphie. Fin de tour. Merci à toi. Bah ouais, ouais, go. Ouais, allez. C'est le troisième sweet board quand même. Yep. Oh bon, on fait des parties tous les jeudis chinois. Tous les jeudis. Pour 3, Ristik Study. Ça y est. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, Belgarion. Comme Belgarion précise, le mardi, c'est Duel Commander avec des joueurs qui sont très bons et qui commentent tout leur play pour essayer d'expliquer comment on joue le format. Et le jeudi, c'est un peu plus détente multijoueur où on se prend la tête, on s'engueule gratos et on dit des bêtises. Et pour 4, j'utilise le château. Notamment le domino le mardi. En main, je pioche. Gratos. Et c'est une... Tu perds 1. Non, je perds 0 parce que j'ai pas de carte en main quand je l'utilise. C'est à la fin. Ouais, c'est après. Ouais, tu prends quand même. Bon, bah je prends 1. Voilà. Et bah allez, voyons voir. Unners. Nous rompicham. Bah non, il est là. Ah hein. Je dis nous rompicham. En ce moment. Moi, il coûte un bras. Non, mais tu sais ce qu'on va faire. On va déjà faire ça. 9. On va déjà lander. Pas mal déjà. Un forgeron pire de Valakut. Et on va aider un peu. On va aider un peu Kodiak. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir besoin. Il a du mal à aider celui qui t'a maudit. Non, mais il a du mal à me meuler, alors je vais l'aider un petit peu. Ristik Study. Et puis tu payes pas, tu peux y aller. Tu pioches le cognac, je crois. Tu payes un point, une ouais. Plus, quoi. Ouais, voilà. Non, vas-y, tu sais quoi, je payerai pas du tout. Jamais. Allez, je pioche, merci. Et je vais payer 1. Attends. Ouais, je vais payer 1. Je vais faire une contemplation. Je peux piocher. On va regarder 3 cartes du dessus. Je peux les mettre dans l'ordre de mon choix. Les replays sont sur notre chaîne YouTube en plus du reste de nos émissions. Pour l'instant, il n'y a pas de chaîne dédiée. C'est rigolo ça. Il faut aller fouiller le YouTube. Ah. C'est rigolo ça. Je suis pas sûr. Et je pioche. Oh, t'as bien dû en avoir un avant le. Saison 0, en ancienne formule. Je fais un petit rapide. Bah, parce que moi, j'en ai un Mimeoplast, mais je l'ai jamais joué. Parce que c'est un deck meule. Mais je l'ai jamais joué. Ah. Ouais, et merci pour les bits chinois. Oui, trop gentil. Je me permets en même temps de vérifier. Parce que moi j'ai mon général qui commence à coûter vraiment cher. Tu veux qu'on parle du mien ? Toi t'en as deux. J'ai joué à un asile. Ça fait piocher, c'est rigolo. Ouais. Je vais tenter Zurzot peut-être pour la dernière fois. Tu payes 1 ? Ah non, piochez vos cartes. Piochez. De toute façon, je suis full tap, donc piochez vos cartes. Mais tu sais quoi, moi mon but là, c'est de gagner à la place de Kodiak sur la meule. Voilà, c'est la seule chance que je vais faire. C'est René au place, moi, en plus. Et bah, c'est une fin de tour. Je crois pas qu'on en a encore. Voilà. Vous avez un challenge, les gens de l'équipe, il faut faire un Mimeoplast pour la saison 2. Et là, ça tombe bien, il faut que je build un 6 des enfers avant de partir en vacances. Non, moi j'ai un Témur en tête là. Je pourrais le ressortir hein, le Mimeoplast en plus, parce que c'était un deck qu'à l'époque je l'avais monté pour le... On est sur mon tour, Ragun, ouais, c'est bon. Allez, vas-y. J'avais monté pour le Duel Commander, mais du coup il manquait plein de cartes parce que c'était censé multi. Enfin. Justement, tu vois, c'est meulé pour récupérer avec le Mimeoplasme les capacités adverses, quoi. Ah oui, d'accord. Je sais jamais jouer avec mes cartes.
Je joue avec ceux des autres. Très bien. Le mien était pas combo. Enfin si, il avait potentiellement, mais très long. Oh la vache. Hôtel de Demencia avec, avec le souverain, le seigneur de je sais plus quoi, qui a une force en fonction des signes. 11. Omnat. Papa. Higgs, tu vas pas piocher. Ok. Kodiak, tu pioches. Tu sais, je veux piocher. Tu sais, que tu le veuilles ou non, Doku, je veux piocher mon deck. Ah ouais, non, mais je sais, mais c'est juste pour t'embêter. Et même, j'annonce, je perds à ce tour-ci. Il est là, le Omnat. Oui, oui. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, le logiciel, il retrouve pas ton nom. Land. Il l'a trop vu. On est à 3 castes de Omnat. C'est bon. Ah, mais il vend du rêve. Double trigger. Ouais. Fetch. Ouais, il refait les autres. Double trigger. Bon, j'aurais peut-être dû enlever le creuset, je sais pas. Le Clomnat. Écoute, pour le moment. Donc, hop, deux élémentaux, deux zombies. Mais Grimoire, il est toujours trop bien. C'est toujours trop trop bien, le Grimoire. Il est cher. Il est tellement bien. Je pense que c'est la partie où j'ai gardé le plus longtemps un monarque. Oui. Ben, en même temps, je peux toujours pas venir te le piquer, donc... Oh, mais n'y va pas, hein. De toute façon, la moitié des cartes que je pioche, c'est des terrains. Donc, prochain tour, tu risques de prendre cher là. Ouais, vous êtes quand même débrouillé pour me faire perdre mes deux tutos coup sur coup. Je suis un peu triste. Oh, bichette. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Yes. Ouais. Kodiak, je vais aller vers toi avec un 2-2. Ok, j'ai pris 2. Fin de tour. C'était la violence. Aïe, j'ai mal. D'étape et on pioche. Oui, c'est bien spell table dans le fond chinois et merci. Alors, c'est tout fait. Pour 5, on va faire Charix. Est-ce que tu payes 1? J'ai déjà payé 1. J'ai fait pour 5. Oui, le 5. Un crabe. Un crabe. Un gros crabe. C'est pas un crabe, c'est le crabe. The Crab. L'enfant des crabes. Talisman de dominance. Arrête de payer. Laisse DoX piocher. Non mais il va gagner. Façon, non mais quoique non, je te laisse piocher sur celui-là. Ah, ça me va. Non mais... Je m'en fous, c'est pareil, ça va rien changer à ma vie. Moi je pose des trucs. Non mais tu sais que tu vas pas me voir. Je vais pas te voir venir. Et c'est une fin de tour. Il y a des marqués dans ma tôle là derrière moi. Regarde. Dégagement. Entretien. Je vais maintenir la priorité à l'entretien. Et je veux me tuer. Attention. Ad nauseam. Ad nauseam. T'avais pas trop de cartes, Kodiak, en fait, à force de beaucoup piocher. Allez. Non, j'en ai que 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 8, 18. 18 et 3, 21. 21 et 5, voilà. Je suis mort, ouais. Je suis mort et je suis pas mort à la meule. Tu gardes deux terrains. Je suis pas mort à la meule. Cette fin de saison, X s'incline parce qu'il veut pas perdre. Donc, bah j'ai perdu, mais j'ai perdu avec mes conditions. Est-ce que tu peux te défoncer cette carte pour mourir? Je suis pas mort à la meule. J'ai besoin de piocher. Bah non, je suis mort. C'est ah tout. Merde. Ad nauseam, t'as payé 5 ou t'as payé 6? J'ai payé 100. Ah bah du coup. Ah bah du coup, je pioche. Ouais. Ouais, moi ça me va. Hein. Vas-y. Bon, allez, hop. On essaye de faire des choses. Et toi, bon, bah, j'ai pas le choix. Attends, ça c'est combien ça? Non, tout faut l'engager, j'arriverai pas à le faire. Je vais lander pour 2. Ça coûte tellement tout cher tout ça. Secours, je commence à me faire envahir par les fourmis volantes. Au secours. Ah ça c'est, voilà l'excuse pour se barrer avec, encore pareil, il y aura une mort différente ce soir pour tout le monde quoi. La 10 hommes, les fourmis. Pour 2, je vais tenter secousse d'impact. À chaque fois j'ai une créature qui arrive sur le champ de bataille,
Il inflige une blessure à chaque adversaire. Ok. C'est bien. Oui. Pour deux, je vais faire et un bombardement des gobelins. Je sacrifie une créature, j'inflige une blessure à quelque chose. Oui. En réponse. Comment ça arrive ? Je vais faire une noyade du log sur Zurzot. Ouais, il est carrément pénible, monsieur. Il veut pas gagner, il veut juste il veut se faire chier. Bah, on va tous piocher des fossés, ça te va ? Avec quoi ? Avec son asile. Mon asile. Eh bah, allez, on pioche. Allez, on pioche tous et on se défausse. Et on se défausse. Si vous voulez, c'est la première, non ? Une île. Ouais. Je vais défausser une montagne. Je vais défausser également une montagne. Du coup, vous avez défaussé deux cartes. J'ai pioché sur le grimoire. J'ai pioché deux cartes. Je vais. Vous n'avez pas pioché pendant votre tour. Zurzo s'en va, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, t'as payé un à chaque fois en plus. Non. Donc il y avait une carte. Ça fait trois cartes en plus. Non, le sanitarium, c'est une capacité. Hein. Ah, non, oui, donc deux cartes en plus. Deux cartes seulement. J'ai deux débiles qui sont arrivés. Ah putain, c'est maintenant que t'arrives. Donc on prend deux. Ouais, vous avez pris deux chacun. Ouais, okay. 21. Il y a une mouche ou une araignée surtout. Oui, c'est pas oui, des fourmis volantes. C'est pas là. Pas sympa. Pas de passer. Super. C'est beau la campagne. Des amis sympas. Pour deux, je vais faire un speedful prankster. Donc je paye pas. Tu peux piocher. C'est une 3-2 pour 3 qui pend que c'est mon tour. Je vais avoir une réponse. Okay. Ah. Et quand il y a une autre créature qui meurt, il ping. Ouais. Je pense que tu payes pas de plus. Donc... Nature's Claim, ton bombardement de gobelins. Non, parce que je te vois venir. Ouais. Bah, je pose toutes mes cartes qui font des choses. Hein. Nature's Claim, tu payes pas un de plus, je pioche. Non, vas-y. Tu fais ça. Bah, t'as 10 dégâts sur la table. Il y a un moment, ouais, en réponse, donc ton truc est pas encore en jeu. Ouais, non, t'as raison. En même temps, il y a tes grosses bêtes, quoi, c'est chiant. T'as combien de 5-5 là ? T'as 3-5 ? J'ai 2 tokens et Omnat. Je suis obligé de les. Soit en gros, je peux tuer Kodiak. Enfin, je peux tuer, un grand mot. Ou je peux mettre à mal Kodiak, tu peux le terminer. Je peux rejouer Omnat immédiatement. Ouais. J'ai 13 élans. Après, ça commence à être compliqué. Ouais. De toute façon, t'as tué Zurzot, ça va être compliqué de remonter. Bon, je sais pas. Pire, je te laisse la victoire. Je vais tout sacrifier sur la pile et mettre 10 du coup à Kodiak. Erg. Non, tu mets 5 du coup. Je mets 5 plus les bombardements. En fait, je sacrifie avec le bombardement. Ah oui, ouais. Les diables, ça paye 1 okay. Et ping de 1. Ça marche. Voilà. Tu l'as eu. Tu gagnes tes 4 de vie. Oui, ça me va. 1, 2, 3, 4, je suis à 39. Lui est arrivé, tout le monde prend 1. Et oui. Pour un rouge, tu vas piocher Kodiak. Je vais mettre une malédiction d'opulence, c'est gratuit en vrai, sur Kodiak. Voilà, okay, pas payé un en plus, je pioche. Non. Et c'est une fin de tour. La fin de tour. Ouais. Pour 0, je fais une ripaille mortelle sur Omnat. Allez, tue-moi. Tu prends 3. Voilà. Non, il est exilé. Il meurt pas. Ah, c'est exil. Bon, bah, ouais, c'est une exil. Tu prends pas 3 alors. Ah, bah, c'est cool. Encore vivant. Ah, yes. Je peux piocher sur le monarque ? Bah, oui. Ok. Moi, j'ai interprété que c'était sur la pile du monarque. Tu peux y aller, Doku, pardon. Ouais, début de tour. Kodiak, t'es encore à 2, non ? Ah ouais, je suis à 2. Ouais, parce que t'as figé 0.
Ouais, parce que je pensais que je prenais 3. Mmh. Allez, finis-moi. Finish. Pioche. Ah, c'est marrant ça. On dit ça. T'as un bloqueur, Kodiak, c'est ça? Ouais. T'as The Crab et... C'est ça. Je suis un peu à Abby. Poil dans la pampa. Ah, on a perdu Ragen. Ouais. Vous devrez nous croire sur parole, il y a un crabe. C'est un gros crabe. Hop là. C'est revenu. Ok. C'est une savane surtout, moi. Tu peux y aller. La curse là. Ouais, non, mais je réfléchis. La curse, elle est chez Kodiak. C'est bénef d'y aller. Hmm. Tout est bénef. Ouais, ça me fera un gold. Ok. T'as un 3-2, c'est ça? J'ai une 0-17. Ouais, ah, toi, oui, mais Ragen. Moi, j'ai un 3-2, ouais. J'ai un 3-2. Ok. Vous êtes full tap. Après, oui. Si tu me laisses un peu de temps, je peux essayer de t'attendrir Ragen. Je pense que je peux m'en sortir. C'est très gentil, mais je pense que je peux m'en sortir. Parce que j'aimerais bien pour essayer de l'attendre. Kodiak, je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Ouais. Kodiak, je vais t'attaquer avec deux zombies. Ragen, je t'attaque avec deux élémentaux et un zombie. Ouais, c'est quand il attaque, hein. Donc tu peux déjà mettre ton trésor. Ouais, j'ai un gold. Tu m'attaques avec deux zombies, c'est ça? Non, un zombie et deux élémentaux. Ça fait 12. Oh, allez. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Je passe à 27. Attention, ça se tire la bourre sur les bits ce soir. C'est vraiment... Merci. Merci, Chino. Et je décède. Donc, il y en a un qui meurt. Tout ça pour ça. C'est non, il y a un trésor entre les deux. Pas que tout ça pour ça, il y a un trésor. Ouais. Non, mais je parle de Kodiak. J'ai beaucoup Kodiak en me disant bah, je vais peut-être piocher une carte. Et Regarde ce que j'avais en main. Ouh. Ah. C'est pas bien de les garder. Oui, moi. Tu peux peut-être un peu l'embêter, mais tu l'emportes avec toi. Qu'est-ce que tu fais, Doku, avec ça? Je paye 13 et je rejoue mon GG. Le fameux GG que Spelltable n'arrive pas à lire, évidemment. Hop. C'est bizarre. C'est quoi, ouais. c'est ma sleeve qui est dégueulasse, peut-être. Je sais pas, non, il arrive pas. Ça marche. C'est une fin de tour, du coup? C'est vrai. Non, oui, attends, deux secondes. Flambe. On a chaud, on a chaud. Double trigger. Ouais. Fetch. Ouais. Pour un rouge, je sacrifie tout. Reste encore des forêts dans ton deck, t'es sûr? 1, 2, 3, je commence à arriver au bout. Faut se retrouver, hein, tu sais de quoi. Hein. Non, mais j'en ai genre 9 en tout des forêts de base en comptant les forêts en hiver. Donc, faut faire attention. T'es à 19, c'est loin quand même. Ah ben moi je ping en plus, hein, tu sais, moi j'y vais au petit caillou. Non, écoute, tu te débrouilles. Hein. T'es un grand garçon. Ouais, je sais. Eh bien, ce merci, sera Chino. Fin de tour. Vas-y, Ryan. C'est moi. Merci pour merci pour Hobbits. Vous êtes dingue, les gars. Fille Chino, c'est cool. Tu te défausses pas, Doku? J'ai deux cartes en main. T'as récupéré un monarque ailé, au fait. Ah, attends, j'ai trois cartes en main, du coup. Ouais, mais ça fait pas, ça fait pas défaut, ça. C'est nul. Je commence la pioche, en tout cas. Ouais, vas-y. Ah. Pardon. J'ai bien le A qui dit... Oh, bah, j'ai peut-être non, gagné. Non, c'est compliqué. Toujours ce problème de mana. Ah, problème de mana ouais. Je sais pas ce qu'il faut, du là. Mana. Je joue à Mikorokoko,
qui fait qu'à chaque fois, pour deux, enfin, ça joue de l'incolore et pour deux, on peut, je l'engage et je pioche une carte. Enfin, tout le monde pioche une carte. Each player pioche. Enfin, il est quand même à 19, hein, le monsieur. Et il a 8 étapes. Et j'ai pas bon sur Zot. Ah, j'ai 4 bloqueurs, hein, c'est, attention. C'est ton problème. Quel bloqueur. Il veut surtout commencer à taper avec des gros élémentaux. Ah, t'as perdu le coup de dieu. Non, non, ah. Je l'ai. Non, mais ça a fait, ça, oui, ça, fait ça le roi du robot peu. Qui est parti. Ça revient un peu au même. C'est quoi, attendez, je calcule. En 4 avec là-haut. Non, ça c'est mieux. Non, faut le faire à l'envers. Pour un trésor, l'unique et 3, je vais faire un fourneau de rage. Toutes les blessures sont doublées. Donc ça c'est bien. Ça me terminera si tu. Ah oui, t'as pas peur toi. Non, mais bon, en même temps, je vais pas faire grand-chose. T'as deux bloqueurs, il a 4, il en a 4 d'élémentaux. Il y a 20 dégâts qui partent. Ouais, je sais. Mais bon, après, je suis à 27 et j'ai que 1 voire 2 bloqueurs, ouais. Donc je vais pas aller très loin. Ouais, en fait, t'es mort. Oui, mais j'essaie d'aller le plus loin possible du jeu. Je vais faire le psychotique crawler qui est des pseudo-kills du jeu. Donc ça a une force endurance égale au nombre de cartes dans ma main. Pour l'instant j'en ai 2. Bah, c'est bien, quand je pioche, les opposants prennent un point de vie. J'ai une créature qui est apparue, tout le monde va prendre 2. Tous les adversaires prennent 2 parce que j'ai un fourneau de rage. Et bah je passe à 17. Ok, c'est cool. Est-ce que... Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la première win de Doku. Oui. Ouais, c'est pas encore fait. Hein. Alors, et ça te dit qu'on pioche... Ah mais elle est si, elle est ça faite. Ça te dit on pioche et défausse. Bah écoute, oui, oui. Ok, je pioche une carte, tu prends 2. Ouais, ouais. Non, c'est pas des dégâts, hein. C'est du lose. C'est lose. Ah, tu veux dire... Donc si tu prends pas 2, tu perds 1. Doubler toutes les blessures. Ah oui, c'est des... Oui, donc... Et là, ça fait que 2 PV, en tout. Mais non, mais Impact Tremor, ça colle... Ah oui. Ouais, ça t'a collé 1, et puis là, donc du coup, tu prends 1. Ouais, donc attends, non, mais Impact Tremor, ça colle 2, parce que c'est des blessures, par contre. Oui, pardon. C'est quoi ça, c'est des lost life. Donc, c'est psychotique, ouais, ok. Donc je suis à 16. C'est bon, j'ai perdu 3. C'est très précisément pour ça que je l'ai retiré de Nizmizet. Hein. Parce que c'est lost life et pas des dégâts. Je vais défausser une forêt. C'est nul du coup. Ça marche quand même. Ça marche pas mal. Moi, je défausse un tertre parce que, en fait, de toute façon, j'aurais jamais pu jouer. J'aurais peut-être pu jouer là, mais 7 dégâts, c'est un peu le bout du monde finalement. Défausser une carte, je pioche une carte, tu prends 1. Ouais. J'ai 15. Déjà. Non, attends, ça c'est des blessures par contre. Du coup. C'est pas des blessures, c'est toujours pas des blessures. Ah oui, ok. Oh là là. J'ai 3 cartes en main. Ça devient compliqué. Ouais, moi aussi. C'est ça, j'ai bloqué. Bah en vrai, tu swing, t'as gagné. Ouais, ouais. Je pourrais attaquer, mais pas assez. Bah j'y suis pas arrivé. Tu peux y aller à toi. Ok, il est mon tour. Allez, avec le doublement des dégâts, forcément, ça et passe. Ça que tu es en train de me dire. Parce qu'en fait, là, j'ai mes 5 élémentaux. Il y a 3 bloqueurs, c'est ça? Je n'ai pas trop compté, mais je pense que donc tu passes. Donc, il y a 10 qui passent sur les... Il y a 20 qui passent sur les élémentaux et il y a 16 qui passent sur les zombies. Ouais, ça fait gagner. Ça marche. Je vais quand même gagner différemment. Moi, je pense bien, que même je suis bien du je vais piocher pour mon tour. Pour 5, je vais jouer là où marchent les anciens. Ouh. Ça, c'est un vieux truc d'Alara qui fait que les créatures qui ont une force de 5 ou plus collent 5 quand elles arrivent en jeu. Lol. Oh, c'est je vais payer 5 et je vais jouer Titania. Ah non, Titania. Il va prendre 10. Fois 2. J'ai mon fetch qui arrive. Ah, c'est des damage, c'est pas des blessures. J'ai un élémental en plus. Tu des blessures prends, et des damage. Tu prends 10. Ouais. Je vais fetcher. Ouais. Tu vas prendre 10. C'est en recoupé, c'est ça, Titania, si tu fetches.
Ouais, en fait, tu... j'ai le fait de skipper au cimetière, j'ai le trigger de Titania, tu prends 10. Ça marche, je suis à 7. Non, parce que t'as oublié un élémental. Non, t'as beau. Titania renvoie mon terrain du cimetière, donc j'ai le premier. J'ai Titania qui arrive en jeu, tu prends tes 10, 17. J'ai un terrain qui revient du cimetière, j'ai un élémental de plus, tu reprends 10, tu passes à 7. Je craque mon fetch, trigger de Titania, j'ai un 5-3 qui arrive en jeu. Prends 10. Bien joué. C'est 0. Voilà. Bien joué. Ça y est. Deux coups gagnent pour la dernière. Gagne et finit la saison avec une victoire. Faut se battre, hein. Faut se battre. Ah mais il faut se battre. Tu l'attendais, hein, cette victoire. Oui. Je pensais ne pas l'avoir. Donc, pour les dernières blagues pour le chat, j'avais un Greater Good aussi en main. Donc le plan, s'il se doublait pas ses blessures tout seul là, c'était de bourrer dans le tas et puis de finir en piochant sacrifiant mes élémentaux pour piocher les cas. Tu l'avais pas mal, ouais. Bah après j'aurais pu pas jouer les fourneaux, piocher une carte de plus. Dans tous les cas ça suffisait pas. C'est je crois qu'au bout d'un moment. Oui. C'est ça. Et merci le chat. Merci mes adversaires. Je tiens à remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu. Bravo. Je crois que je vais gagner quoi qu'il arrive. Moi j'avais dit que de toute façon c'était deux coups qui allaient gagner. Hein. Ah. Grâce au token. Voilà. petit bilan, on va commencer par Higgs. Higgs, comment affrontes-tu cette dernière vidéo, cette dernière soirée? C'était très dur. Après avoir courageusement essayé de vaincre, je crois que je peux dire. Bah écoute, c'est ça, c'est le jeu. J'ai perdu toutes mes conditions de victoire les unes après les autres. Après, mon deck, il a creusé, hein, c'est tout. Mais on peut pas non plus se battre contre toute la table, quoi. Mais c'était. Mais c'est pas grave, non, franchement, je suis pas déçu, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Higgs, deux fois. Bah, si alors, ouais, non, mais vas-y, j'ai pas compris en fait ce que t'as dit. Oh la vache, on en est là, il n'y a plus personne. Oh, le respect est mort, quoi. Diac, je me suis trompé. Moi, mon deck, il a fait à peu près ce qu'il voulait. J'ai bien emmerdé Higgs sur le coup. tu m'as emmerdé, mais c'est la police. T'as commencé à meuler. Bon, en fait, tu sais qu'en vrai, tu m'as pas tant emmerdé que ça. La seule fois où tu m'as emmerdé, c'est quand t'as joué le Hunter of the Dead. Ouais. Là, ça m'a gavé. Est-ce que de base, là, ça m'a gavé parce que j'ai regardé ma créature Wincon dans le cimetière et je me suis dit putain. Mais est-ce que de base, t'avais pas perdu quand tu t'es auto-torpillé avec ton propre Gumball? Je pense pas, non. Non, je vais vous couper, messieurs. J'entends pas tout le monde. Chino, bonsoir, par contre. Pas de live jeudi prochain. On est en vacances. La prochaine est prévue pour le 11 août, pas avant. Oui. Voilà. Vous avez le planning en lien que je poste pour le multi, en tout cas, qui est très fidèle pour le multi. Sous couvert de canicule qui pourrait arriver parce qu'évidemment on n'avait pas prévu ça, mais voilà, vous avez le lien en description de la vidéo YouTube qui annonce tout, notamment le commandeur de l'assemblée de ce week-end. Donc du coup, juste pour finir vite fait le ressenti, juste un tout petit peu déçu que ça soit un peu mal goupillé. J'ai pioché mes contrôles à la fin, mais sinon le deck a fait ce qu'il était censé faire, donc je suis content. Ok. Voilà. Moi, c'était quand même assez cool. J'ai raté le... j'ai eu peur sur les terrains, puis finalement ils sont sortis, mais comme j'avais mes enchantements qui se sont fait gérer sur la fin, j'ai beaucoup joué avec les créatures, j'ai pas eu beaucoup d'enchantements au début. J'ai surtout fait beaucoup de pioches. Le grimoire est incroyable, évidemment, comme n'importe quoi. Je regrette pas d'avoir cassé le grimoire sur le pince-crâne. Vous auriez fait ça, vous aussi? Ou enfin, casser le pince-crâne sur le grimoire, pardon, c'est ce que j'ai fait, mais vous auriez... Non, t'avais raison. Oui, je pense que c'était sur le long terme. Sur le coup, j'étais très dépendant du général, donc si je pouvais pas jouer le général, le pince-crâne ne servait jamais. Ouais. Non, mais je trouve que c'est la bonne, c'était le bon choix. Bah, ok. Bah, du coup, ouais, c'est vrai qu'il a pas mal aidé.
Bah surtout que le grimoire, il a permis de faire de la pioche pour tout le monde, donc du coup, enfin, vous défaussiez, ça piochait, donc du coup, je faisais plein de trucs. Et il y avait meilleure synergie. Et voilà, puis du coup, non, du coup, très belle partie. Alors, pour l'instant, Doku n'est pas encore là, je sais pas s'il va revenir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le chat m'entend? Oui. Ma caméra a planté, je m'en excuse. Eh ben, pas de soucis, tu vas nous faire ton petit review pour ta première victoire qui clôt la saison avec ce fameux Omnat. Eh ben, je suis content d'avoir réussi à gagner avec Omnat. Je ne pensais pas que ce serait possible. Vu la table, c'est toujours un peu compliqué maintenant qu'il y a beaucoup de sorts gratuits, de contre-sorts et que les gens savent jouer en Commander. Ce paquet qui a été monté en 2015 et qui a quasiment pas changé de tête depuis commence à être un petit peu dépassé maintenant. Mais c'était très cool, il a fait exactement ce qu'on voulait. Tu landes, tu joues ton général, tu landes, t'as des gros élémentaux et sur un malentendu, tu gagnes. La base. Non, le deck était franchement, le deck est super cool. Et je suis super content parce que je l'ai souvent vu en action, le tien, et c'est vrai qu'il rigole. Enfin, quand il est bien placé, il rigole pas trop. Et du coup, on l'a vu un peu ce soir. Si j'arrive à faire le setup, ce qui est toujours un peu problématique en fonction du temps que ça prend, de la main de départ, ensuite c'est très solide. Mais la difficulté étant d'arriver à se mettre en place. Ok. J'en profite également pour rappeler que si vous avez vu les magnifiques tapis de la soirée, vous pouvez en commander. N'hésitez pas à nous MP, que ce soit sur Discord. En privé, Ragun, Doku, n'importe qui de l'équipe, n'hésitez pas, ou un petit MP sur Twitch, évidemment, voilà, n'hésitez pas non plus. Ce soir, je pense qu'il fait suffisamment chaud pour ce live, donc je vous propose qu'on rende l'antenne si vous êtes tous d'accord. Pas de soucis. Et puis du coup on se retrouvera je dis pas de bêtises en regardant rapidement le planning dans 2 semaines. 3 semaines? 3 semaines? 2 ou 3, je sais plus. 3 semaines. Ouais. Un petit mois. Le 11 août. Et ben voilà, 3 semaines. Donc, le 11 août si tout va bien. Avec une nouvelle saison, un nouvel invité également, un nouvel invité mystère qui passera pour inaugurer cette saison 2 qu'on espère qui se passera super super bien et puis voilà, puis qu'il y aura des bons généraux. Je garde de côté le miméoplasme, donc peut-être que je ramènerai celui-là pour commencer, peut-être pas la première saison, la première soirée, mais peut-être en septembre, du coup le temps que les évaluateurs puissent le regarder. Encore une fois, merci à vous trois. Merci, c'était bien cool. Merci. C'est pour Mystery qui est un connu dragon. Je cache tout. Je dis pas. Je sais qui c'est à peu près. J'ai une vague idée. Ah là là, attention. Que de teasing. Merci à tous en tout cas dans le chat d'avoir été hyper actifs ce soir. Ça fait super plaisir. Et merci évidemment Alfie, Chinois et tous ceux qui nous ont follow et sub ce soir. Merci, c'était super cool. On vous souhaite de très bonnes vacances. Très bonne fin de semaine et à très bientôt chez Chronique du Commandeur. Bye bye à tous. Bye bye. À la prochaine. Salut.